Écoutez ici Samuel. Le parti du travail. Autrement dit, le parti du peuple. Applaudissez. Pour ce parti-là. Une jeunesse engagée pour un renouvellement complet de la classe politique nationale. C'est sur ce leitmotiv que Jacques Ayadji et ses camarades de lutte, réunis au sein de Mouel Bénin, entendaient Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, ont balisé leur défi pour une majorité de jeunes dans les instances de prise de décision au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mouel Bénin est un parti politique qui a été mis sur les fonts baptismaux le 28 juillet 2018 au Bénin. Mouel Bénin veut se mettre à votre service. Mouel Bénin veut conduire à l'Assemblée nationale du Bénin un minimum de 42 députés dirigé par votre serviteur Jacques Ayadji. Je le dis et je le dis avec foi, avec force et au nom des membres de nos ancêtres. Parce que je suis convaincu que c'est par la vérité que ce pays va se remettre sur le chemin du développement. Je voudrais compter sur toutes les populations du Bénin, pas seulement celles de Godomé et de Calavi, pour que ces 42 députés puissent aller à l'Assemblée nationale pour organiser la transformation de notre pays. Je voudrais officiellement vous installer dans vos fonctions de coordination communale pour que vous puissiez, par tous les chemins de Calavi, de Godomé, porter la bonne nouvelle. Que la politique au Bénin peut cesser d'être un business. La politique au Bénin peut être un apostolat. Vous êtes venus nombreux, sachant que Mouel Bénin n'a pas d'argent à vous distribuer. Ça veut dire que c'est possible. Je peux dire, par ce que je viens de voir ce soir, comme Obama l'a dit, yes we can, yes we can, yes we can. Nous pouvons venir au Bénin, écouter des hommes politiques sans chercher en retour à rentrer chez nous avec 1000 francs, 2000, 5000, qui constitue un poison pour nous. Donc allez-y, travaillez. Ne faites pas de grands regroupements. Allez de maison en maison, de famille en famille, d'individu en individu, pour dire que la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est Mouel Bénin. L'Assemblée nationale du Bénin, la législature de 2000 qui va démarrer en avril prochain, sera présidée par un militant de Mouel Bénin. Je le dis avec conviction et vous allez voir que ça va se réaliser. Quand je regarde les gardiens du temple assis ici, je suis convaincu que par eux, d'Abomé, de Djougou, de Kérou, de Porte-Novo, d'Adjara,
d'Abrancourt, de Kétoué, de partout, les gens porteront leur choix sur la vérité qu'est Moël Bénin. Donc cela dit, je vous renvoie dans votre mission, dans votre sacerdoce, celui de faire de Moël Bénin d'abord la première force politique dans la sixième circonscription électorale. Ça, c'est votre travail, ça. Les autres qui m'écoutent des autres circonscriptions savent également qu'ils vont faire en sorte que Moël Bénin sera la première force politique dans chacune des 24 circonscriptions électorales du Bénin. Je le dis et ça sera ainsi. Ce bébé né avec les dents a tout fait d'enfoncer ses racines dans presque tout le Bénin à travers cette installation des coordinations communales. Et dans presque toutes les communes du Bénin, la coordination communale de Moël Bénin a vu le jour. Alors, faisons un tour dans le département de l'Ouémé. Ici, c'est la commune de Dangbo, dans la 20e circonscription électorale, qui reçoit le bureau exécutif national de Moël Bénin. Les difficultés rencontrées à l'arrivée du bureau exécutif national dans la commune de Dangbo n'ont émoussé en rien l'ardeur de Zakayadi qui, en s'appuyant sur l'exemple de Jésus-Christ, né dans des conditions très misérables, mais qui, au finish, est devenu le roi incontesté, incontestable dans le monde, affirme avec assurance et stoïcité sa détermination à atteindre le sommet de la gloire. Ce que je suis venu voir, et nous sommes venus voir au niveau du bureau politique, nous donne l'espoir que Dangbo sera vraiment la lumière au niveau de Moël Bénin. Et le signe que Dieu nous a donné, en faisant en sorte que nous puissions venir en ce lieu modeste, ça nous donne un peu l'idée de comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi du monde entier, a été conçu et né à Bethléem. Nous voici comme ça. Et avec ce signe que Dieu vient de nous donner, c'est que la coordination Moël Bénin de Dangbo va planer sur toute la commune. La politique, l'action politique au Bénin peut être un apostolat. Un apostolat qui veut dire un service. On n'a pas besoin de s'engager en politique pour s'accomplir soi-même. Vous vous engagez en politique pour le bien-être de la communauté. C'est ça la nouvelle que nous sommes venus vous apporter. Et je suis confiant que grâce à vous, Moël Bénin va grandir. Vous avez vu que personne au niveau du bureau politique national, ni au niveau de la coordination départementale, ne vous a imposé la composition de votre coordination. C'est ainsi que, si nous voulons aller à une élection au niveau communal à Dangbo, personne ne viendra d'ailleurs proposer des candidats ici. C'est vous qui allez dire celui qui sera maire de Dangbo parmi vous. Et le bureau politique national ne viendra que pour vous accompagner. De la même manière, si Dangbo doit avoir un représentant sur la liste des candidats aux élections législatives, du 8 avril prochain, c'est encore vous qui allez voir parmi vous celui qui pourra vous représenter. Au nom du bureau politique national, votre coordination est installée. Allez par tous les chemins, de quartier en quartier, d'hameau en hameau, de famille en famille, apportez la bonne nouvelle. Après Dangbo, le même exercice a été répété
dans la commune de Bonou, toujours dans la vallée de l'Ouémé. Toutes les transformations du monde partent toujours d'un petit noyau. Et c'est ce petit noyau qui travaille à faire connaître les éléments qui motivent cette transformation-là. Et à Bonou aujourd'hui, vous constituez ce petit noyau-là. Moël Bénin n'est pas un parti qui a de l'argent, mais c'est un parti qui a des idées, qui veut organiser les populations de façon à ce qu'elles puissent se prendre en charge elles-mêmes par le travail. Parce que lorsque vous travaillez pour vous affranchir, ça vaut mille fois mieux que d'attendre que quelqu'un vienne vous donner de l'argent. Cet argent, vous ne pouvez pas le fructifier parce que ce n'est pas le fruit de votre sueur. Ne cherchez pas à réunir du monde pour faire passer les idéaux du parti. Ça ne marche jamais. Ce que nous voulons faire, les mouvements de foule, ce sont des mouvements trompeurs. Je vous demande d'investir les arrondissements, les villages, les hameaux, les concessions, les familles pour apporter la bonne nouvelle. Enfant dit oui non d'autres mémères. Oui, les gens d'autres mémères. Oui, les gars dit d'obéir. Ok? Et plus loin, on dit que Badé non passé au Glessi Nukumea. Je crois que c'est ça. Mina Iwe. Bon, à fond, bon, à mon, pas dire, bon, et bah, c'est comme ça qu'il faut travailler pour que nous puissions surprendre. Que ceux qui pensent qu'ils sont grands soient surpris que par, dans la discrétion, on a pu investir tout le pays. Méthodiquement, département par département, commune par commune, arrondissement par arrondissement, village par village, hameau par hameau, concession par concession, famille et par famille et individu à individu. Nous allons impacter les 11 millions de Béninois, y compris les grands, parce que tout le Bénin deviendra bientôt Moël Bénin. Et je vous envoie en mission pour cela. Au nom du Bureau politique national et de l'ensemble des militantes et militants du parti Moël Bénin, vous apportez, vous, les membres de la coordination communale de Bonou et de tous les militants d'aujourd'hui et à venir de Moël Bénin dans Bonou, vous apportez la salutation de tout le parti. Dans le département du Koufo, Moël Bénin existe en chair et en os. Le parti Moël du Bénin. Faites au moins la même. Je prends pas l'air. Dans un nous construit notre pays. Levons-nous. Le devoir nous appelle, nous construisons un pays prospère. Nous sommes tous morts. Ici, on assiste à une petite causerie qui rappelle la genèse de Moël Bénin. Moël Bénin est né en faisant une analyse politique des jeunes sur toute l'étendue du territoire et faire une évaluation. Chaque année, les universités déversent sur le terrain un nombre important des finissants. Et ces finissants n'ont pas de job. Ils reviennent à la case de départ. Ils deviennent les traînés des parents qui sont déjà fatigués. Aujourd'hui, on a appris un vieux qui dit sa pension, il nourrit 16 enfants qui ont fini et qui ont de diplômes. Ce n'est pas ridicule.
En tant que mère, c'est choquant. Parce que si nous mettons les enfants au monde, c'est qu'au moment où nous serons fatigués, ils vont prendre la relève. Voilà que la relève n'est pas assurée. Moël Béné a réfléchi, a évalué, pour dire le nombre de chômeurs qui augmente toutes les années, c'est dangereux pour la République. Parce que les parents ont déboursé des millions pour votre institution et vous êtes là. Qu'allons-nous faire? C'est la problématique. Qu'allons-nous faire des jeunes? Le gouvernant, les gouvernés, qu'allons-nous faire? Et c'est cette situation qui a mûri la naissance. Dans le cadre de la mise en conformité avec la nouvelle loi, de la nouvelle charte des partis, nous devons aller à un congrès. Nous devons aller à un congrès. Et donc, même les responsables actuels, SG, TG, tout ce qu'on est en train de dire là, comme on dit, et à la table de cartes de belote, on va remettre, rebattre les cartes et redistribuer les rôles. Ah, il se peut bien que ce soit un de vos camarades que vous voulez là, qui se retrouve dans une position au-dessus. Et nous devrons y veiller parce que dans un parti, il y a ce qu'on appelle la couverture régionale ou la couverture nationale stratégique. On ne peut pas ne pas. On ne peut pas créer un parti et n'y mettre que les gens d'un milieu et les gens de. Et puis ailleurs, non. Donc il y a cette démarche qui va forcément peser dans ce qui arrive. Dans la commune de Dassa, cette population brillait déjà d'impatience jusqu'au 10 février 2019, où le bureau exécutif national arriva pour l'installation de la coordination communale. Moël Béné, nous faisons partie de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, nous sommes 6 partis, mais il y a des nuances. Et moi, j'en vous donnerai une. Lorsque je suis, il devait être candidat à Glajoué. Mes parents de Glajoué peuvent ne pas voter pour moi. Mais si j'arrive à convaincre ceux de Savin, ceux de Wessin, c'est que je peux gagner les élections. Ça veut dire quoi? Celui-là, le scrutin de liste, ceux qui sont à Savin et à Wessin et qui votent, ne connaissent pas au fait ce pourquoi ils votent. Ils votent et ils ne connaissent pas les personnes. Moi, je suis tête de liste, je suis à Glazoué, je ne gagne pas à Glazoué, mais je gagne de l'autre côté. Et c'est ça que nous voulons combattre. Ça fait partie de nous, notre lutte. Dans le cadre de l'installation des membres de la coordination de l'OMPNL, oui, nous avons accepté l'engagement. Mais moi, mon principe, ce n'est pas de peindre le visage pour se faire bien voir. Un engagement doit être un engagement. Donc, j'exhorte tout un chacun de nous présents ici à s'y engager. Ils ne sont pas venus pour nous imposer quelque chose. C'est-à-dire, ceux qui sont venus dire, l'action va venir de nous. Et le constat que moi j'ai fait dans la commune, ou bien dans le département, il n'y a même pas une femme qui est chef d'arrondissement. Donc, tel que le Moël Béné est venu aujourd'hui, c'est comme ATPC, comme on le dit, l'action pilotée par la communauté elle-même. Je pense que si nous, si déjà nous pouvons piloter ce que nous voulons, et ça ne va pas venir de haut, nous allons décider de nous-mêmes. Je pense qu'au prochain, nous-mêmes, on pourrait être nous-mêmes. D'abord, le CA.
Après cette série d'éclaircissements apportés à l'assistance, l'heure tant attendue sonna, celle de l'installation de la coordination communale de Dassa. L'émancipation du Bénin, nous nous sommes engagés pour construire un pays prospère et nous disons non, non. Vous le connaissez bien par sa carrière politique et son parcours politique. Aujourd'hui, 10 février 2019, moi le Bénin t'envoie en mission. Allez propager la bonne nouvelle. La nouvelle de l'argent sale n'existe plus. De ça il s'agit. Le terrain sera brisant, mais avec un peu d'amour. Amour entre vous-même et la persévérance, nous irons au bout. Et le soir du 29 avril 2019, le plus jeune député sera trouvé dans ta commune. Ahoyogui, Lokusa, Grand Popo, Atieme, Bopa, Komen, Klekame, Aplahwe, Lalo, Toviklin dans les départements du Mono et du Koufo, sans oublier les communes de Zé, Glazoué, Borikan dans le Zou, le même exercice d'installation du bureau de la coordination communale a lieu. Nous sommes arrivés à un seuil où, quand tu n'as pas de l'argent, tu ne peux même pas avoir d'ambition. Nous sommes arrivés à un seuil où seuls les riches et les puissants peuvent être nos patrons politiques. Ce n'est pas normal. La vie politique, d'abord la politique c'est le service. Quand on est politique, on est là pour servir les autres. On est là pour recevoir des missions. Donner par la communauté pour de la représentation ou pour défendre des causes. On n'est pas là pour se servir. On n'est pas là pour diriger les autres. La mission de l'homme politique, c'est servir sa communauté. Amener la jeunesse à prendre son destin en main et à se faire une place dans la société est l'objectif principal que vise Moël Bénin. Cependant, l'autre acception qui s'avère indispensable aux yeux du bureau exécutif national de Moël Bénin est de reconnaître que le plus lourd fardeau est d'exister sans vivre. C'est à cet effet qu'à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux à ses militants, Moël Bénin s'est offert un moment de réjouissance.
Très ému ce soir parce que vous m'avez fait cette surprise de dire le président va vous présenter les vœux. J'ai dit mais ça veut dire quoi? Je n'ai pas fini de me poser cette question avant de voir un post de SG sur le forum qui fixe ta date. Et j'ai dit mais déjà dans 48 heures, nous sommes là. Votre mobilisation massive constitue pour moi ce soir un carburant pour aller de l'avant. Je voudrais dire que le chef de l'État, le 6 avril 2016 à Porte-Nouveau, a prononcé un discours d'investiture. Dans ce discours, il a dit en passant qu'il va travailler à réduire le poids de l'argent dans l'action politique. J'étais à Porte-Nouveau, pas très loin de lui, et je me suis dit chiche et djendjinmi. Parce qu'au-delà de tout ce que nous disons au Bénin aujourd'hui, le premier problème à régler pour mettre notre pays sur le chemin du développement, c'est celui-là. Faire en sorte que l'argent ne soit plus notre maître, même s'il est nécessaire. J'ai observé la classe politique et je me suis rendu compte qu'aucune chapelle ne prend en compte ce vœu cher au chef de l'État. Et nous avons dit avec certains camarades que nous allons créer ce maillon dans la chaîne qui entoure le chef de l'État. Parce qu'il faut que tous ces vœux pour le Bénin soient exaucés. Il faut que l'argent poison, l'argent de la corruption politique, l'argent de l'achat des consciences disparaisse dans notre pays. Après avoir verrouillé toute la jeunesse du Sud jusqu'au centre du Bénin, Moël Bénin a mis le cap sur le septentrion. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël en abrégé, n'est pas encore à bout de souffle. Jacques Ayadi et ses camarades de lutte renouvellent au quotidien leur engagement à œuvrer aux côtés du président Patrice Talon. Mais pour les prochaines élections législatives au Bénin, Moël Bénin fera cavalier seul. Et avec foi, détermination et assurance, Moël Bénin compte avoir plus d'une quarantaine de sièges à l'Assemblée nationale pour la 8e législature. Et Jacques Ayadi et toute sa bande Moël travaillent convenablement pour bon vent et plein de succès à Moël Bénin.